c'est un événement important parce qu'il y a de toute façon déjà les abonnés habituels, mais ça permet au plus d'ouvrir la porte aux nouveaux abonnés. Ou en tous les cas, aujourd'hui, je vois beaucoup de familles. Oui, c'est important pour nous. La famille des Rouges, ben, comme le Moldi, on dit toujours la même chose, famille. Donc, ça veut dire que ça représente ce qu'on voit là, le papa, la maman et les enfants. Nous, on est en fait un peu la famille de tous les abonnés. On est un peu la jonction entre le standard et l'abonné habituel qui vient à tous les matchs. Puis on a des réunions avec le club, on est obligé pour le ticketing, pour les déplacements, pour les questions de sécurité, les prix des déplacements aussi pour lesquels on apporte aussi des contributions. Nous sommes dans le coin groupe d'animation, donc les ultras sont derrière, le PHK est là, le L-Side est ici. Donc voilà, on voit un peu nos articles pour faire des animations pendant les matchs. C'est ça l'âme du standard, hein. On a commencé avec le COP quand moi j'étais gamin, donc je l'ai vécu mais très petit et maintenant... Le L-Side a pris la relève du COP et puis les ultras sont là, maintenant le PHK est là, donc je crois qu'on sera toujours là, les supporters, c'est l'arme du standard. Notre force, ben, c'est essentiellement l'authenticité des supporters en eux-mêmes, d'essayer d'être toujours derrière leur club, même si des fois on doit aussi se sentir un peu concerné par les différents problèmes. La ferveur, la fidélité, ben, c'est notre emblème et c'est notre mot d'ordre en réalité. Est-ce que vous essayez d'attirer aussi les plus jeunes supporters que l'on croise aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. En réalité, on essaye de faire un atelier drapeau pour essayer d'expliquer aux plus jeunes comment est-ce qu'on réalise nos tifos aussi, en espérant que certains d'entre eux seront motivés par venir nous rejoindre finalement. Parce que c'est un peu le but, c'est d'essayer de grandir au maximum et d'attirer... un maximum de jeunes supporters avec nous. Alors derrière moi se trouve le stand du PHK, donc des groupes d'animation du Standard de Liège. Et aujourd'hui on est un peu venu présenter notre merchandising, donc ce qui nous permet de financer la saison au niveau des Tétifo ou des autres soirées animations qu'on a prévues. Donc on propose également un atelier pour faire des drapeaux ou des deux mains, donc c'est l'occasion d'un peu montrer aux gens comment on réalise certaines choses assez facilement qui est à portée de tout le monde pour pas grand-chose en temps ou en argent, donc on fait profiter à tout le monde aujourd'hui. On avait pu apercevoir ce chapiteau la saison dernière, donc on avait fait la demande pour que les groupes et les représentants des supporters se retrouvent tous réunis. Et je pense que les retours qu'on a eus sont très positifs. On est chacun proche l'un de l'autre, on a l'occasion d'un peu discuter de la saison, des projets de chacun. Je pense que c'est un bon point, cette situation, c'est pour cette année.